played by people of faith and bright with hungry eyes. You and I could conquer the stars if we tried, or simply live by simpler vows and let the storm go by. Merci beaucoup.
Oh, soyez le bienvenu, c'est pour vous le verre d'eau et ce n'est pas de l'eau froide. Soyez le bienvenu, monsieur voisin. Fait du bien de revenir à la maison puis retrouver ça. Bien que je dise revenir à la maison, tu te sauves pas tellement, tu te sauves, mais tu reviens quand même. Ben, je reviens tout le temps à la preuve, je suis encore ici. Ouais. Hein? Avec ceci que tu es allé chercher hier. Ça, c'est le plus beau, c'est le plus fin, c'est le meilleur que j'ai eu depuis que j'en sois quelques-uns. Ouais. Merci beaucoup à tout le public qui a voté hier soir. En onde, vous m'avez fait le plus grand plaisir au monde. Merci beaucoup encore. Parce que ça, c'est un choix du public. Ça, c'est le choix c'est du public. C'est un choix du public. En plus, le public votait pendant le gala de la disque. Et puis, vous m'avez fait vraiment plaisir. On va laisser une grande place ce soir, mesdames, messieurs, aux nouvelles chansons de Rock Voisine. Chansons que vous avez retrouvées sur ce disque-là. On va en parler beaucoup. On va en parler abondamment de ce disque-là qui a... Il n'y a même pas une semaine. Tu l'as lancé quand? Mardi. C'est ça. J'ai lancé mardi et mercredi à Montréal. Et puis hier, je suis allé faire un petit tour à Québec, bien entendu pour la disque et aussi pour lancer l'album. Il y avait plein de monde à Montréal. Il y avait plein de monde à Québec. Puis là, ben, ça va se poursuivre parce que je vais à Toronto la semaine prochaine. Et puis, ben, je vais faire Vancouver à Saint-Jean-Terre-Neuve. Donc, je vais vraiment me promener au Canada avant Noël, ça, c'est sûr. Est-ce que c'est toi qui s'occupe des chiffres? Combien j'ai vendu de disques, etc.? Bon, on me le dit parce que, bien entendu, je suis le principal intéressé, mais ça c'est Paul, surtout. Est-ce qu'ils t'ont dit, mon cher voisin, que ce disque-là, qui n'a pas une semaine, est déjà disque d'or? Oh, est-ce qu'ils te l'ont dit? Ça n'a pas de sens, mais il est là. Et ça, remarque, c'est à la grandeur du Canada français et du Canada anglais. 50 000 disques de vendus déjà en l'espace d'une semaine. Et je vois que nos confrères écrivent ton nom avec un cœur. Ben oui, ben... Merci à toi. Merci beaucoup. Sans fin de plus, je ne sais pas combien t'en as. On n'en a jamais trop de ça. Oui. Rock, est-ce que c'est la première tentative vraiment sérieuse pour percer le marché nord-américain? Ben oui, parce que... Oui et non, parce qu'il y a déjà eu des chansons en anglais. Il y a bien entendu la portion anglophone de l'album double qui est sortie au Canada, qui a quand même assez bien marché sur les charts, c'est comme ça qu'on dit ça là-bas. Mais malheureusement, j'étais tellement pris en Europe que je n'ai pas réussi à faire de promotion quand même, comme il se doit. Puis je vais me rattraper là, je vais vraiment faire le tour du Canada... au complet. Et des USA aussi. Les USA vont venir un petit peu après. Plus tard. Oui, un petit peu après, parce qu'on essaie d'y aller. C'est impossible de tout faire en même temps, parce que c'est beaucoup d'intensité, beaucoup de travail à la fois. Fait qu'on va se réserver le Canada avant Noël. On va aller en Europe après. Savez-vous que, c'est drôle de dire ça, mais que déjà, I'll Always Be There vont sortir à peu près en même temps qu'ici. Pas l'album, mais le single. Et le single, déjà en Norvège, il est top 10. En Norvège? En Norvège! Oh, wow! L'album, la portion double de l'album double, la portion anglophone de l'album double avait bien marché parce qu'Hélène avait fait le numéro 1 là-bas, imagine en Scandinavie. Donc, la prochaine tournée de promotion en Europe va inclure aussi beaucoup de pays non francophones. La promotion, les spectacles, t'adores ça, mais ce que tu aimes par-dessus tout, je pense, c'est être en studio. Et je sais que t'as coproduit, t'as co-réalisé cet album-là, et c'est vraiment en studio que t'es heureux avec ta guitare, ta barbe presque longue. C'est un nouveau look, ça, M. Voisine? Non, moi, c'est un look que vous n'avez pas vu encore, c'est pour ça, mais je ne suis pas toujours léché. Comment on dit ça? Liché par la vache? C'est une expression que j'ai déjà apprise. À la maison, chez vous, liché par la vache? Liché par la vache. Quand tu es toujours bien peigné, toujours bien rasé. Quand tu sors bien net, liché par la vache. Ah, c'est ça, là. T'es clean, là. Non, je suis pas toujours comme ça. Mais c'est en studio que t'es heureux. Oui. On a eu beaucoup de plaisir. J'ai travaillé à New York, j'ai travaillé... Memphis, Nashville, donc vous pouvez vous attendre à avoir un petit peu de country. Très différent là-dedans. On a de la belle visite. Il y a un bonhomme qui travaille très fort pour ton équipe, avec ton équipe, du côté de l'Europe. Ben qui oui. Qui est ce fameux monsieur Georges-Marie. Georges-Marie qui travaillait très fort du côté de la France, de la Belgique, de la Suisse. Et il est avec nous ce soir, un des responsables des succès de rock en Europe. Monsieur Georges-Marie, mesdames et messieurs, Georges-Marie! Soyez le bienvenu, monsieur Marie. Vous portez une casquette des Blue Jays de Toronto. C'est pas une casquette. Oui. Oui, il faut vous expliquer. Rock, vous expliquez ce que c'est les Blue Jays de Toronto.
Vous avez un magazine entre les mains, monsieur. Je me prépare parce qu'il va faire la promotion à Toronto, donc je vais le suivre, mais comme ça au moins. Il faut la casquette des Blue Jays. J'ai on va lui en trouver une casquette. J'ai pas le passeport pour le Canada anglais, donc j'ai la casquette. Ah, mais elle est neutre, celle-là. Vous avez entre les mains un magazine avec Rock Voisine à la une. J'aimerais qu'on le montre. Est-ce que je peux le montrer? Bien sûr. C'est pour vous. Facile pour moi. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est énorme. Télé-séjour en France, c'est énorme. Télé-séjour en France qui est 3,5 millions de ventes réelles. Ouais. C'est parce qu'il y a les tirages dans la presse. Là, c'est 3,5 millions de ventes. Et à cette occasion, il y a deux doubles pages. Ouais, c'est à cette occasion, ils ont fait un affichage dans tous les métros de France. Ouais. C'est l'énorme panneau dans les métros. Et c'est... Vous occupez, vous, de la carrière de rock en France. C'est à l'occasion de la sortie de cet album. Je vais tourner la page, excusez-moi, là. Bon, il y en a plein là-dedans. Bon, c'est une méga star en Europe, notre copain voisine, hein? Il y en a partout. Bon. Je dirais que c'est une vraie vedette et un vrai artiste. Donc, c'est une star. Ouais. Ben, merci pour votre brève visite, M. Marie. Tout à l'heure, mesdames, messieurs, après la publicité, Je voulais juste dire à Rock qu'il est 16e en Norvège. Il ne le sait pas. Et vous voyez que la Norvège, c'est loin. Il parlait de la Norvège. Il est 16e. Et on est à 118 000 albums en France. Déjà, au départ. Le jour de la sortie. Et je n'ai pas eu le temps de préparer le disque d'or pour lui amener. Merci, M. Marie. Des petits bouts de chansons de Rock Voisine, extrait de ce nouvel album après la pub dans 2 minutes. On va en prendre quelques-unes, parce qu'il a sacrifié je ne sais pas combien de parties de golf pour venir. Mais c'est un mordu, Oui, j'ai un mordu, j'ai commencé ça il y a un an, c'est très zen le golf. C'est très zen? Zen, il faut se concentrer, si tu t'énerves, tu peux pas bien jouer. Mesdames, messieurs, voici quelques extraits de cet album bien léché par la vache. Non, j'ai dit que j'étais pas tout le temps. Ah, oui, mais l'album est quand même bien léché par la famille. Non, il est pas trop clean. Bon, il y a des noms qui sont familiers là-dedans. J'ai vu Léo Kay. Oui. C'est lui qui chantait avec Claude Dubois la chanson... Femme de société. Vous rappelez de ça? Oui. Avec une très belle chanson pour moi qui s'intitule There's No Easy Way, que je vais faire en troisième. Ah oui, d'accord, la prochaine. La première chanson que je vais faire, on va en faire des petits bouts, bien entendu. Oh, la première chanson, j'ai co-écrite avec mon batteur, Pete Barbeau. Ouais. C'est une chanson qui s'intitule « Lost Without You ». On va vous en faire un petit bout. Un tout petit bout. Was the 4th of July, I just wanted to lay down and die. Lost a friend, the thought that it might end. What was I to do? So long without you, it's plain to see I'll never be the same. How bad is it broken? I'm so lost without you.
que l'album a été enregistré dans différents studios à gauche et à droite. C'est bien important de trouver des studios qui donnent la sonorité exacte pour le genre de musique. Oui, parce que ce qui arrive, c'est ça, on travaille avec différents ingénieurs, différents producteurs, aussi différents musiciens, puis ça donne des saveurs différentes sur un album. Tu vois, la première est un petit peu balade et rock, la prochaine est un petit peu plus rhythm and blues. Laquelle, celle-là? Shout Out Loud. C'est Paroles et musique de Rock Voisine. Well, I've been some places and seen lots of faces facing towards a distant land. Now I hear people laughing and see people smiling all over the news tonight. I see new generations bringing new vibrations. They're skilled and they do things right. I see you and me loving to be free. Come along, let's change things right. Me, all I got is just a little singing now. Singing now. If you wanna be part, just hold your hands and shout out loud. Shout out loud. Shout out loud. Shout out loud. Yeah, shout out loud. Shout out. Rock, il y a des remerciements sur le disque. Grand-papa, grand-maman, mais Mila et Brian, est-ce que ce sont ceux qu'on connaît? Ben Mila, oui, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que vous savez qu'I'll Always Be There a été demandé par Mila Maroney. Elle a demandé à David Foster. Puis David est venu au concert au Forum il y a un an et demi. Il m'a demandé de faire la chanson avec lui. Donc, s'il n'y avait pas eu Mila, il n'y aurait pas eu I'll Always Be There. On fait laquelle maintenant? Ben, on parlait de Leo Kitt tout à l'heure. Ah, celle-là. Ça s'intitule There's No Easy Way. On va vous en faire un petit peu. There's no easy way to fix a broken heart when you don't know how or where to start. Sometimes I miss you, girl. I guess I always will. 'Cause when I think of you, my heart stands still. And there's no easy way. There's no easy way. There's no easy way to say goodbye. Après la publicité, à tout de suite. Bravo. Merci Rock pour les belles chansons. Mais il y en aura encore des chansons, mais pour l'instant, c'est un beau cadeau et c'est Monsieur Marie c'est Georges Marie qui a demandé un tout petit peu. Racontez, Monsieur Marie. Ben, Ginette Renaud, je suis très heureux qu'elle soit là. Je savais que Rock a un énorme, énorme, énorme respect pour elle. Paul Vincent l'aime beaucoup, on en parle souvent comme artiste, mais c'est vrai que Ginette Renaud, il y a Sophia Loren pour le cinéma, on dit la Sophia. Pour la chanson, il y a la Ginette. Ouais. Pour nous, c'est ça, en France, on l'adore et on l'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'un soir, j'ai rêvé qu'elle chantait pourtant. Et j'ai... La grosse chanteuse canadienne. J'ai rêvé qu'elle chantait pourtant. J'en ai parlé à Paul Vincent et à la première occasion, on lui a demandé de venir chanter cette chanson. Et j'en suis vraiment ravi. Ah, moi, j'ai hâte de voir ça. Qui est une belle chanson qui est pourtant, qui est sur l'avant-dernier, je pense, voilà, sur le Europe Tour, entre autres. Ouais. Mesdames, Messieurs, pourtant, Ginette Renaud. Oh!
comme un accompli. Parmi ces gens autour de moi, qui chantent, qui rient, qui pleurent, qui crient, cœur tout bas, c'est une sacrée belle chanson que Rock chante depuis déjà quelques années. Oui, je pense que c'est lui qui l'a composée, d'ailleurs. Mm-hmm. Fait la musique là-dessus. Ah oui, moi, je suis ému, là. Oui, c'est Marcel la première a fait fois les paroles. Marcel m'a aidé à faire les paroles en français. C'est beau. Et puis, oh, mon Dieu, Seigneur, je suis tout ému un peu. Je veux te féliciter pour hier. Non, merci beaucoup.
félicitations. Aimes-tu chercher avoir un trophée? Tu le fais du bien, surtout quand c'est le public qui le donne. Moi, j'aime ça être reconnu. Moi aussi, j'aime ça. Ça fait toujours plaisir. Mais on a des choses en commun. Qu'est-ce que vous avez en commun? On a une belle gueule, tous les deux. Mais j'ai remarqué tout à l'heure, je disais à Georges, justement, j'ai dit, es-tu assez séduisant? C'est juste... Hein? juste la langue qu'il faut sortir, juste un petit... juste les lèvres mouillées, juste assez. Ah non. Alors, on a une belle gueule. On aime le hockey. Hein? Oui. On aime le hockey. Ah, on adore chanter tous les deux. Ah, ouais. Et puis, on a un ami en commun qui est Georges Mel. Bon, voilà. Moi, je vais dire, vous avez même autre chose en commun, pense. Allez-y. Vous avez vendu à une certaine période de votre carrière des disques par la poste. Ben oui. Ouais, en parlant de ça, il faudrait que je lui donne le mien. Oui ou non? C'est vrai, je pense que oui. Oui, absolument. Rock, t'en as vendu par la poste. Absolument. Oui, c'était À quelle époque? Oh, ça doit faire 4 ou 5 ans. C'était par cassier postal. C'est avant... Il se promener avec la pancarte en arrière, là, à Télé-Saint. Est-ce que c'est avant Hélène? Avant Hélène? Oh, oui, c'est avant Hélène. Avant Hélène, on avait fait des albums de ce qu'on appelle en bon français des covers, là. Et puis c'était à Télé-Saint, justement. Et Ginette, actuellement, belle chanson. Au moment où il faisait son émission tous les samedis, je te regardais souvent et je me disais, y es-tu chanceux? Il peut chanter toutes les tonnes américaines. Oui, puis c'était tous des gold, des gold hits comme ça. C'est donc chanceux. C'est le fun, ça, parce qu'on n'a pas toujours, le temps et on fait des spectacles, on dit, bon, on ferme nos chansons. Mais c'est toujours le fun d'incorporer des chansons comme ça. Je te trouvais bien chanceux, en tout cas. Ouais. On commence ça quelque part. Hein? Rock, un petit cadeau pour vous, Ginette. Oui. Et puis le vôtre, on lui enverra. Oui, ça va me sauver. Ça va me sauver une enveloppe. Pendant qu'ils font l'échange de cadeaux, maintenant, on présente une pub. On va revenir tout à l'heure. Le Père Noël va passer. Moi, je vais lui rendre l'appareil, alors je t'offre le mien. Ah, merci beaucoup. Ah, il y a des belles choses. T'écouteras chanson pour les holos là-dessus. Oh, oui. Puis on va se mettre à chanter en italien bientôt, la fin disque italien. Oui, là, en janvier. Tu parles italien. Ouais. Tu parles italien depuis combien de temps? Caruso. Un petit bout de Caruso. Je te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. Ça, c'est pour Monsieur Voisine. Nous allons vous présenter quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un que vous aimez bien. Last night.
'cause I didn't have the chance to carry on. 'Cause I never looked behind me, I was gone. And all that I could do was write the song. Am I right? No shame. Standing here in white, my memories are haunting me tonight. Am I right to share a part of them into the light? For tonight. André Gagnon, mesdames et messieurs, André Gagnon. Soyez le bienvenu, monsieur Gagnon. Soyez beau, je vous en prie. Donc, je veux savoir, vous vous connaissiez pas, c'est un peu étrange, non. Ça. Ben, tout le monde connaît André Gagnon, quand même. Oui, mais vous ne vous jamais... Non, on s'est rencontrés il y a quelques jours, je pense. Oui, mais c'est toi qui devrais raconter comment c'est arrivé. C'est arrivé d'une façon très simple, comme ça. On était en tournée, et puis c'est Marc Beaulieu, mon chef d'orchestre, qui a travaillé avec André pendant des années, qui avait un album qui a été lancé au Japon. C'était une copie japonaise. Il m'a donné ça, il m'a dit, écoute, ça va te faire relaxer pendant la tournée. Ça fait que j'ai dit, OK. Je mets ça sur mon CD player, puis j'écoute ça dans la voiture. La première chanson qui arrive, Premier jour, qui est la pièce instrumentale, comme au premier jour. Et puis, tout de suite, moi, je dis, hey, ça serait le fun de mettre des paroles là-dessus. Ça fait que je laissais ça dans les tiroirs, comme je fais tout le temps. Puis j'ai mis ça dans mon mini studio à la maison. Puis là, ben, j'ai écrit des paroles, puis j'ai pratiqué. Je suis arrivé à New York, j'ai pris la trame instrumentale qu'André a produite à Londres. J'ai fait un vocal comme ça, que je pensais à l'époque démo, si tu veux. Et puis quand on a décidé de le mettre sur l'album, on a tout simplement mixé, c'était magique. Ouais. C'était vraiment, merci beaucoup pour avoir composé cette belle mélodie. C'est assez rare qu'on puisse se vanter que Rod Voisine chante une de nos musiques. Ouais. Alors moi, je vais pouvoir le faire. André, est-ce que c'est la première fois que quelqu'un écrit des paroles sur une de vos musiques? Non, c'est pas la première fois. Luc Plamondon l'a déjà fait dans certains cas. Mais c'est la première fois que quelqu'un met des paroles en anglais. C'est la première fois qu'une de mes musiques risque de se promener partout dans le monde. Ça, c'est important. C'est pas pour ce que ça peut rapporter, parce que, quand on écrit de la musique... Est-ce que pour les amants, on n'a pas fait le tour du monde, André? Oui, mais c'était une musique instrumentale. Une musique instrumentale. Une chanson, ça, c'est pas parce que je suis pas chanteur. C'est peut-être parce que je suis pas chanteur que je pense que ça a plus d'appeal, mais ça en a certainement plus d'ailleurs. Mais quand on écrit de la musique, et Rock va être certainement d'accord, ce qui nous intéresse, c'est que ça soit diffusé. Et avec Rock, bien là, j'ai... Que les gens écoutent. J'ai des grandes chances que ça le soit. Deux secondes avant de passer à peu près. Ouais. C'est bravo pour hier, album de l'année, instrumental de l'année. C'est aussi déclarable. André Gagnon, mesdames et messieurs, félicitons avec le mot de la fin de André Gagnon. Merci beaucoup, Rock. Merci pour cette belle visite. Puis c'est une belle collection que vous avez là. Merci beaucoup, hein, Félix. Encore une fois, hein. Le disque d'or déjà. Oui. Pour, enfin, ce qui a été vendu au Canada seulement. Et puis, il y en aura d'autres. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant, là? Ben, ce qui s'en vient, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, on va concentrer la promotion au Canada. Là. On va vraiment aller de Vancouver à Saint-Jean-Terre-Neuve. Tout ça avant Noël. On va revenir faire des émissions ici. On va repasser ici. On va avoir du fun. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, après ça, mais il va y avoir l'Europe. Hein. Il va y avoir beaucoup plus de boulot cette fois-ci parce qu'il y a plusieurs autres pays. Et puis, après ça, on va commencer à monter des spectacles. Nous sommes très fiers de votre succès, M. Voisine. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup, M. Gagnon. Merci. Ce qui s'en vient pour vous, là? Moi, je suis en train d'écrire un nouvel album que je vais l'enregistrer après Noël avec l'Orchestre national philharmonique à Londres. Et... Tu l'écoutes.
Orchestra Rock Battle qui est à moi. Merci infiniment, André. Merci. Merci, belle Ginette. J'ai hâte d'entendre le disque italien. J'ai hâte d'entendre le disque. Merci infiniment, Ginette. Portez-vous bien. Belle visite, monsieur Georges-Marie. Ça nous fait plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Merci, monsieur Mongrain. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir aussi. Ça m'a fait plaisir aussi. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. Demain, mardi, Daniel Bélanger, Claudine Mercier, le peintre Léon Bellefleur et Robert Ghisculli. Bon retour à la maison, les gens. Ah, ben, il y a 11 heures, c'est fini, mon cher Rock. Je me demande maintenant si, après l'émission, une grande vedette internationale de la chanson viendra prendre un petit café avec un grand animateur de télévision. Sais-tu, c'était une bonne idée, ça, mais malheureusement, Jean-Luc, demain matin, il commence de très bonne heure, donc il m'a dit qu'il pouvait pas. Ben, je me reprendrai une autre fois. Bon, ben, grave.